Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu haul et des petits cadeaux que j'ai eu pour bébé 2. Donc je voulais vous présenter tout ça dans une vidéo. J'ai pas trouvé beaucoup de choses pour bébé 2 pour l'instant. Si je trouve d'autres choses, je vous rajouterai ça à la suite de la vidéo. Mais pour l'instant, j'ai pas fait de folie pour lui. Je vous précise un petit peu ce que j'ai sur les lèvres. C'est le nouveau NYX Liquid Suede que j'ai acheté. Donc je vous renvoie vers le haul NYX et Lush que j'ai fait. Donc voilà, c'est le numéro 09, l'heure du goûter. Il est pas mal, hein. Donc voilà, c'était la petite parenthèse rouge à lèvres comme j'aime bien faire parfois. Donc j'ai acheté quelques petites choses pour bébé 2 et pour ma fille aussi chez H&M. Et j'ai eu des petits cadeaux. Donc ben, je vous montre tout ça aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir les ranger. Pour bébé 2, on a acheté chez H&M, pas chez H&M, je vous dis des bêtises, chez Kiabi. Kiabi d'abord, donc on a acheté ce petit gilet gris à -50%. Donc voilà, pour bébé 2, il n'y a pas grand choix je trouve. Au lieu de 7 euros, du coup, il nous a coûté 3,50 euros. C'est un taille 0 mois, ça va être vraiment pour la naissance ou les premiers jours. Parce que même s'il va naître en avril, il fera pas non plus 50 degrés dehors. Et on a acheté toujours dans le même style un petit ensemble comme ça avec le petit gilet gris. En un mois, je crois, si je me rappelle bien. En un mois, cette fois-ci, à 14 euros l'ensemble, il était à -50%. Donc le petit gilet gris, hop, avec les petites poches, et il se boutonne sur les côtés, je trouve ça trop mignon. Et il y a le petit bas, en fait, le petit bas, comme un collant un petit peu. Je sais pas si j'arrive à vous montrer correctement. Mais voilà, donc vous avez compris, pour bébé 2, ça sera plus des teintes bleu-gris. Et peut-être un peu marron. C'est joli aussi les marrons sur les petits enfants métis. Donc, on a trouvé un petit haut marron, une petite, comment on pourrait dire, une sorte de petit pull, mais très léger, entre le t-shirt et le pull. Toujours un mois à 4 euros, à -30%. Bon, c'est pas une réduction de dingue, mais il était très joli, j'aime beaucoup. Et je l'imaginais très bien avec des petites flèches dessus, comme ça. Donc, je le trouvais trop, trop craquant. Et je crois que c'est tout pour bébé 2. Oui, c'est tout pour bébé 2. Hein. Vous voyez qu'on n'a pas trouvé des choses de dingue. À Kiabi, il n'y avait vraiment pas grand-chose. À H&M, il n'y avait pas grand-chose. Moi, je voulais que des trucs soldés. Sinon, bah, j'irai après quand ce sera plus soldé. Donc, je vais aller chez Primark. Peut-être que je trouverai d'autres petites choses soldées ou pas. Donc, je vous les rajouterai à la suite de la vidéo. Pour ma fille, j'ai trouvé une petite tenue chez H&M qui me faisait bien plaisir. Et je l'ai prise un peu grande, mais... Enfin, un peu grande, non. Je pense que ça va lui aller tout de suite, même. Mais je voulais aussi lui mettre pour son anniversaire en avril, donc j'espère que d'ici là, ça lui ira. Donc pour aller avec sa petite tenue, on a pris le... comment vous dire, le petit serre-tête comme ça, un peu princesse. Elle l'a direct mis sur elle quand on lui a acheté. Il nous a coûté 1 euro, il était en solde. Il est super joli, mais alors bien sûr, je vais pas lui mettre ça tous les jours. Hein. Mais voilà, pour une petite anniversaire, un petit anniversaire, une petite soirée, un petit truc comme ça, c'est super mignon. Et pour aller avec, on a trouvé une petite robe comme ceci à 5 euros. Au lieu de je ne sais pas combien, puisqu'il cache les prix. En taille, je pense 2 ans, 92 cm. 2 ans et demi, voilà, 2 ans et demi. Donc ça sera très bien pour elle. J'ai trouvé vraiment par hasard. J'aime beaucoup la couleur un peu rose comme ça et avec de l'argenté à l'intérieur, le nœud papillon. Et je me dis qu'avec ça, ça ferait un petit rappel très très joli. Surtout pour son anniversaire qui est sur le thème du rose, du gold et d'autres petites choses. Mais ça, je vous en reparlerai dans d'autres vidéos, hein, le thème de son anniversaire. Donc voilà. Ça sera une petite tenue pour maintenant, mais aussi pour son anniversaire, je pense. Et on lui a trouvé un petit pull à 5 euros au lieu de 10 euros. Tout mignon comme ça. Hein. Tout gris, avec des points blancs. Pour 5 euros, ça va, ça restait tout à fait raisonnable. Et c'est un 92 cm, donc ça doit être 18-24. Moi, je pense qu'il avait l'air de lui aller, donc voilà. On va le laver et puis on va lui mettre. Donc voilà pour mes achats chez H&M et Kiabi. Pour ensuite, j'avais envie de vous parler de petits cadeaux que j'ai reçus pour bébé 2 de la part de ma copine et d'une abonnée, qui est en même temps une copine et une abonnée, Virginie. Donc Virginie, si tu passes par là, je te remercie encore de m'avoir accueilli chez toi, de m'avoir fait découvrir le Davisti. Et pour tous ces petits cadeaux, donc elle m'a mis tout ça là-dedans, plein de petits cadeaux, dont des petites choses pour bébé 2, donc je voulais vous les montrer. Un petit ensemble qui vient de chez Du Pareil au Même, de taille 3 mois. Donc c'est parfait parce que comme je vous avais vu, j'ai pas craqué pour beaucoup beaucoup de choses parce que j'ai pas trouvé grand chose. Il est très joli d'ailleurs. Je suis pas allée à Du Pareil au Même. Donc le voici avec son petit bas
qui est tout mignon avec plein d'étoiles comme ça. C'est marrant comment ils font les espèces de pantalons pour les enfants, pour les petits garçons. Mais il est tout joli. Donc ça, c'est le petit ensemble un peu pyjama, ou même pour la journée, hein. Et un autre pyjama du magasin Orchestra en 3 mois, qui est tout vert flashy. Alors j'imagine bien que ça promettisse. Je suis pas fan du vert comme ça, mais pourquoi pas. De toute façon, ce n'est qu'un pyjama. Et c'est très gentil déjà d'avoir pensé à un bébé 2. Donc voilà, avec un petit mon petit indien dessus, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, c'est parfait. Merci Virginie. Elle m'a mis aussi pour bébé 2 un petit livre comme ça, ou un petit tocher, je sais pas trop comment ça peut s'appeler, mais une sorte de petit, voilà, de petit livre jouet qui fait du bruit avec un petit miroir, des petits lapins, des petites choses là. Toute mignonne, elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça chez à la Fnac, c'est de la marque Lilliputien. Je connaissais pas du tout d'ailleurs. C'est un imagier, voilà, ils appellent ça. Un imagier pour bébé. Donc c'est génial, ça va être pour bébé 2 aussi. Merci, merci, merci. Pour le scrap, elle m'a mis quelques petites choses de scrap. De chez Artamio, elle m'a mis une espèce de planche d'autocollant comme ça. C'est deux fois la même. Avec des autocollants, avec écrit par exemple premier sourire, petite bouille d'amour, l'heure du biberon, fait de beaux rêves. Donc ça va aller agrémenter les albums de ma fille, mais aussi celui de bébé 2. Comme il y a deux planches, je vais pouvoir faire plein plein de choses avec. Ensuite, elle a mis en niveau scrap des petites, je sais pas comment ça s'appelle ça, des petits rubans, voilà. Très mignon, de chez Artemio aussi. Ah, une petite planche comme ça de stickers de chez Artemio que j'avais acheté dans mon dernier haul Zodio. Et mais du coup, je l'avais acheté pour l'offrir. Donc celui-ci, ça va être pour moi. Donc c'est cool. C'est un peu le thème homemade, fait maison. Voilà, je trouve très très bien pour aller dans mes créations ou dans mon planeur. Et pour finir, pour les créations pour bébé 2, une petite 4-5 petits stickers comme ça, avec des tétines, un petit bavoir, un petit ours, voilà. Pour les créations, ça va être aussi très très bien. Donc parfait, mais bien sûr, elle voulait à la base me donner ça. Elle m'a acheté tout ça. Et elle m'a donné pour ma fille, parce que ma fille, je vous l'avais déjà dit peut-être, je sais plus, qu'elle était fan de Petit Ours Brun. Donc c'est des livres de Petit Ours Brun dans la collection Bayard Jeunesse. C'est les anciennes collections, mais c'est super parce que du coup, c'est pas du tout les mêmes histoires qu'elle a maintenant elle. Donc là, il n'y a pas de doublons, ce sont que des nouveaux. Donc je vais lui mettre dans sa chambre tout de suite pour qu'on puisse lui lire. Elle va être super contente, elle aime beaucoup Petit Ours Brun. D'ailleurs, elle s'intéresse de plus en plus près à tout ce qui est dessin animé aussi. Pourtant, on la fait jamais regarder des dessins animés, mais dès qu'elle tombe par hasard sur un dessin animé à la télé, elle est scotchée. Bah. Voilà pour mes dernières petites trouvailles et les petits cadeaux que j'ai eus. Je remercie encore Virginie du fond du corps, du fond du cœur. Et n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous me conseillez comme magasin. Il faut que j'aille voir Orchestra et Primark pour trouver quelques petites choses pour bébé 2. Mais de toute façon, j'ai encore un peu de temps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut, salut! Je continue mes petits achats. Après H&M et Kiabi, j'ai recraqué chez Auchan, Kiabi et Primark. Je vais essayer d'aller vite pour pas que cette vidéo dure longtemps. Mais voilà, c'est pour compléter ma première vidéo. Pour bébé 2, j'ai craqué chez Auchan pour cet ensemble de deux petits bodys, petits bateaux, au lieu de 16 euros. Ils étaient à moins 70, qu'il y avait 50 et encore 20. Donc moins 70 en fait en caisse directement. Ça m'a coûté du coup 4,80 euros. Ce petit haut pour ma fille, un petit gilet basique comme ça, assez court, qui m'a coûté 3 euros au lieu de 10 euros. Un petit haut, petit clin d'œil à ma copine Mélanie qui kiffe les pandas, et je crois qu'elle l'a déjà ce petit haut. En 6 mois, donc à moins 70%, il a coûté 1,80 1,80 €, donc c'était donné. En revanche, je sais pas si j'ai loupé le pantalon. Je sais pas, peut-être j'ai loupé le pantalon, ou je sais pas ce que j'ai glandé, mais en tout cas, il n'y avait pas de pantalon avec. Et un autre petit body bleu comme ça à 2 euros. Ça, il n'y avait pas de promotion à hein, 1,99 €. Donc de chez toujours Auchan. Ensuite, bah justement avec Mélanie, on est parti chez Kiabi et chez Primark. Donc chez Kiabi, hop, cette fois-ci j'ai le sac. J'ai craqué pour une petite chose pour ma fille et le reste pour mon futur fils. Pour ma fille, des petites chaussettes comme ça antidérapantes avec du doré dessus, trop mignon. Un petit peu, je sais pas, une petite tête de lapin. Donc ça, elle aime bien les petites chaussettes comme ça. Donc c'est pour elle. Pour bébé 2, je lui ai pris des petites chaussures comme ça à 3 euros. Enfin, des petits chaussons, on va dire, pour le... Enfin, c'est 3 à 6 mois, mais voilà, pour cet été.
Mais j'en avais acheté à peu près les mêmes en rose pour ma fille, donc je voulais la petite touche pour bébé 2. Toujours dans les teintes grises, j'ai pris deux bodys, donc de la marque Kiabi qui sont pas du tout soldés, c'est à 8 €. J'ai pris du 3 mois, c'est les bodys qui s'ouvrent sur le côté, comme ça c'est hyper pratique pour les nouveau-nés. Un avec écrit donc Enjoy the little thing et un deuxième avec que des étoiles. Des petites étoiles dans les tons gris, donc ça j'hésitais à le prendre mais j'ai pris là, comme ça je me suis dit c'est fait. Et deux petits hauts dont un pas soldé et un soldé. Celui qui est pas soldé, le voici. Un petit haut bleu en taille 3 mois à 2 €. Hein. C'est vraiment pas cher. J'aimais bien l'inscription, il est assez simple et ça lui servira pour cet été. Ou en tout cas vers juin. Et toujours un petit haut pour voilà cet été aussi. Enfin, peut-être avant, vers mai, voilà, vers mai. Un petit haut de 1 mois à moins 50%. Donc il a coûté 2,50 € au lieu de 5 €. Voilà, c'est assez mignon. Bon, après les dessins sont censés être un peu hivernal, mais on s'en fiche. Hein. Voilà, un peu dans les teintes vertes pour changer. Chez Primark, j'ai craqué pour moi pour un pyjama. Un peu rose corail comme ça, hein, très joli. Alors le haut il est simple, c'est un haut à manches courtes si je ne me trompe pas. J'ai pris la taille XL parce que bon, j'avais envie d'être à l'aise tranquillou. Hein. Et un pantalon avec des cœurs à moitié rose, à moitié gold. Je trouvais trop joli. Donc voilà, petit 7 € le bas et le haut ensemble, donc ça va. Et ça augmente les prix hein, des pyjamas chez Primark, on voit qu'ils commencent à avoir du succès. Hein. Ensuite, au lieu de 7 €, j'ai payé 3 € un petit pantalon en taille 2-3 ans pour ma fille, qui est rose corail aussi avec des petits points blancs. Voilà, c'était pas il y en avait aussi en version bleue et il y avait en blanc. Je voulais le bleu aussi, il était pas mal du tout, mais bon. J'ai pris le rose parce que je me suis dit que ça allait aller très bien avec le pull que je vous ai présenté de chez H&M qui m'avait coûté 5 €. Pour moi, j'ai craqué pour deux leggings dont un assez épais. Alors, si vous entendez ma fille, c'est normal, elle est derrière. Oui, j'arrive Kayla. J'arrive ma poupette. Donc à 3 € au lieu de 6 € un legging gris. Voilà. Un grand legging gris, assez moumouté. Celui-ci, j'en avais déjà acheté un noir comme ça. Ils font des peluches, ils sont pas terribles. Mais là, à 3 €, c'est toujours utile les leggings. Et un tout basique bleu foncé comme ça, un peu marine. Je voulais un noir, mais il n'y en avait plus. Hein. J'aime bien les leggings noirs, mais là, il n'y en avait pas à ma taille en noir. Il a coûté 3,50 € au lieu de je sais pas, 4 ou 5 €. Il coûte pas très cher, hein. C'était une petite réduc, mais voilà. Donc là, il n'est pas moumouté. Celui-ci, c'est un basique en coton. Et je suis contente de ma petite trouvaille, c'est grâce à Mélanie d'ailleurs. Un petit ensemble en fait comme ça pour bébé 2, ça va être sa petite tenue de naissance. Vous avez le pyjama, donc c'est en taille 1 mois je crois, qu'est-ce qu'on a pris? Bah oui, on a pris taille naissance. D'ailleurs j'aurais peut-être dû prendre un mois. Bref, taille naissance, le voici, c'est pour un bébé de 3 à 4 kilos. Ça devrait être ça à peu près, donc le voici, et ce qui est bien c'est que vous avez le body avec, le petit chapeau avec et le petit bavoir avec. Donc voilà, ça va être son petit ensemble de naissance, il est plutôt pas mal. Est-ce que je vous ai tout présenté? Mais oui, hein, j'ai été rapide aujourd'hui. Voilà pour mes petits achats Primark, Kiabi, pour bébé 2, donc je suis ravie de ces petites trouvailles, et je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant, et je reprendrai un petit peu d'ici un mois pour acheter quelques petites choses qui me manquent. Faut que je fasse d'abord le tri dans tout ce que j'ai, même si j'ai pas beaucoup de choses pour bébé 2, parce que je vous avoue que pour les garçons, c'est vrai qu'il y a moins de choix. Mais chez Primark, il y a vraiment une collection de vêtements pour les garçons qui est très très sympa. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je vous fais plein de gros bisous.